Voilà. Là, c'est nickel, là, comme ça. Là, il est exactement 20h45. On est grave en retard, on devait arriver à 17h30. 20h45, on est arrivé au pied de la montagne. On va commencer à se faire l'ascension. On le voit pas, là. Voilà. On commence à se faire l'ascension maintenant. On va commencer de nuit. On n'a jamais monté les tentes. On n'a jamais utilisé le matos qu'on a. Tout est nouveau. On va voir comment ça va se passer. Ça devrait bien se passer. Il y a un départ de rando aussi là-bas, mais c'est pas là. Allez, hein. On est parti. Voilà, ça devrait être assez rapide. De nuit, on voit pas. Donc je vais faire un petit cut. On se retrouvera pour le montage de la tente. Et puis à tout à l'heure, les gars. Bon, je vous reprends maintenant. Finalement, on se retrouve un peu avant cette posée en haut. Du coup, on est à environ 1600 mètres. On est en train de monter avec Schwemstrijk à côté là. Moi, ça monte raide. C'est du 40, 35, 40 degrés. On fait du D positif, du D plus. On se prend 600 d'entrée. Salut les gars. Dès qu'on trouve. Nouvelle vidéo, avec la mouche. En train de claquer sa vidéo derrière. En plein trek. Dès qu'on sera arrivé en haut, les gars. Dès qu'on trouve un plan, on se pose. J'ai un peu peur, il y a des patous. Il y a des patous un peu partout. Enfin, il y a les chiens de berger. J'ai peur que les chiens de berger nous fassent chier. On s'est déjà fait chasser une fois par des chiens de berger lors d'une précédente vidéo. Je vous mettrai l'affiche à la fin si vous voulez la voir. Bon, les gars. Je vous reprends après. On va monter. On a encore genre 300 de D+ à monter. Et puis, c'est bon. Allez, à tout à l'heure, les gars. Salut les amis. Il est minuit et demi. On est dans la vallée. Et là, je suis obligé de vous filmer ça. On fait une traversée de rive en pleine nuit. Regardez-moi ça. Là, on est dans la sauce. Faut remonter. Faut remonter toute la vallée. Voilà, tout monte là, il faut tout remonter. Ça fait 5 heures qu'on marche. Là on est fatigué. Le ciel est magnifique, on a vu 3 étoiles filantes de suite les gars. C'est assez rare pour le dire. Là, mais les bâtons. Voilà. Voilà. Fais-moi ça propre. Alors le string. On est carré ou quoi? Ouais, pour l'instant on est. On est carré. On a l'air pas dégueulasse là. Mais... on y est. Ouais, par contre il fait frais. Hein. Ouais, il doit geler. Faire gaffe au lit de la rivière. On va rester ici. De toute façon on peut pas se poser. On va monter. On va se frapper la côte. Vas-y, on se retrouve quand on est posé, les amis. Ça y est, on est posé. Je vais vous montrer un petit peu le bordel qu'on est en train de se faire, le restaurant dans la montagne. Demain, je vous montrerai au lever du jour un petit peu comment on a disposé notre tente. Mais là, regarde. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Merde. On part sur un bris. Dans sa baguette de pain. On enchaîne sur un pâté de campagne. On décale sur des pâtes à la boulot. On enchaîne sur du saucisson. C'est comment? Régal ça. Ouais. Trop bon les gars. Bon, il est 2h du matin mais on verra à l'heure plus tard. Bon appétit. Salut tout le monde. C'est le matin, 10h. On a claqué fort hier soir. C'était une intempérie tellement on a dormi. Regardez un peu le camp. Je vais vous montrer. On a un magnifique lever de soleil derrière. Voilà un peu la disposition. Comment on a décidé de se mettre le soir. Collé. On a mis les deux entrées en face. Là on avait le petit coin repas, là on a le petit coin rangement, tac, regardez, hop là, c'est en dehors de la tente, ça c'est la tente.
Voilà, ça c'est parfait. Et là, on a Schoenstrom qui est en train de contempler le lever de soleil. C'est vraiment magnifique. Les gars, il fait un temps magnifique là. Je vous retrouve. On est en train de se faire un petit déj tranquillement. Je vais me poser là. Galérer, c'est des nuits, c'est 2h du matin à peu près. Et c'est coton. Il n'est pas trop froid un peu parce qu'il y avait la rivière au niveau des mains. Et les habits de Décathlon, bon taf. Ces habits de Décathlon là, hein? Qu'est-ce que t'en penses des habits de Décathlon? Ils sont bien. Donc voilà, petit réveil avec un lever de soleil dans la montagne, un petit café soluble. On restera rien par terre comme d'hab. Donne-nous la description de la vue, je vois. Description de la vue. Waouh! Alors là, là, mon héros, t'as les mots. Alors on y est, les gars. Moi aussi, j'étais en vidéo là. Voilà, ouais, vidéo sur vidéo. Bon, c'est un petit truc. Café, il est encore chaud là, on va attendre un petit peu. Ah, vraiment, c'est magnifique. Je vais vous faire un petit tour là. Regardez autour de moi. On a balancé les tentes comme ça, on a trouvé ça. Par contre, on a dû marcher 4 heures les gars hier soir. 4, 5 heures, peut-être 5 heures on a marché pour arriver là. On est à 1900 mètres. On est parti de 1100 mètres, on est à 1900. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Je vais vous faire une transition dans mon pantalon et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Niggas think it's credit, but it's debit. Hit that shorty once and I'll forget it. Big boss, you better recognize. Might go Rick Ross with the curly fries. Sipping Hennessy, a dirty Sprite. Doing 180 down the turnpike. She on her cell phone, I'm feeling. T'as envie de te baigner avec le pantalon? C'est du transpire en haut, je me jette à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, on va là-bas et on va monter. On va passer de l'autre côté et on va avancer encore. Oh, c'est la noix de coco. Là. Chocolat noix de coco. Il a toutes. Bon les gars, ça fait 2 petites heures qu'on marche. Là, on est devant une petite cascade et je pense qu'on va un petit peu recharger l'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'en recharge? Putain de merde, on va recharger, hein? Je vais me laver dedans là. On se mouille un peu. What the fuck man? You think I owe you like a settlement? I ain't the one to find a better man. What you like, what you like, look. Hop, la transition chapeau, on se retrouve un peu plus haut. Exactement. Exactement. Voilà. Ok, on est censé aller là. Encore 2 heures. On est arrivé 2005, toujours tranquille. On va s'éclater le bris dans pas longtemps. On va sortir la baguette française. On va casser le sauciflard. Oh, Schoenstrom qui découvre la vue devant. Regardez ça. Elle est pas belle cette vue. Bon les gars, je vous récupère plus vite que prévu. Parce que là, je suis arrivé sur un spot. Regardez-moi ça. Je vais vous retransmettre ce que je vois pour vous faire partager au maximum l'envie d'y aller. Est-ce que vous arrivez à capter la puissance de la chose? Les gars, je vais descendre après, je vais prendre des photos. Vous les retrouvez sur l'Instagram, je vais mettre le lien là. Parce que là, l'eau paraît bleu foncé. En vérité, elle est turquoise.
Et quand on va descendre, on va aller sur la plage là-bas, on va manger. Donc on se retrouvera là-bas tout à l'heure. Et je prendrai une photo au bord là pour vous montrer. J'espère que ça ressortira au téléphone. L'eau turquoise. C'est magnifique. Et ensuite, on devra partir, descendre là-bas, aller de l'autre côté. Et en fait, il y a plusieurs lacs après. Et c'est là-bas qu'on va camper, dans les fesses en fait. Vous voyez? C'est vraiment beau. De l'eau du lac de Vin. Oh merde! C'est de l'eau du lac filtré, c'est ça là? Exactement. Allez là, on envoie les choses sérieuses. Hop. Hop. J'ai même pas sorti mon repas. Mamma mia! Mamma mia le bris! Le bris là! Ça aïe tourne aïe. Là ou pas? Ça tourne là! Cette action est dangereuse. C'est là, là. Ce moule végétarien, sifflard, chiac. Non. J'ai la salive qui part dans tous les sens là. Pop, 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 comment? What, t'as gazé? Ouais. Merde. Oh. On se retrouve à. On doit être à 2005-6, 2006. Ici, on a le 2007, ici. Et on a le 2008 là-bas. Tac. On n'est pas vilain. Regardez-moi, est-ce qu'il a l'air vilain? Que j'ai l'air vilain. Mmh. Magnifique. What? Allez. Non, c'est beau. Nous, notre campement, il est là. Vous voyez en bas, là, au pied du lac. Là où il fait beau, là où c'est protégé du vent. Bah, c'est nous. Et ici, bah, c'est là où on a envie d'aller, histoire d'avoir une vue 3-6 autour de nous. Et après, on redescendra. Juste là, il pleut, c'est la tempête là. On se retrouve à 2007. Il fait froid. Là, il fait froid, il y a du vent, il fait vraiment froid. Il y a un petit peu de neige. On est dans les nuages là bientôt. Là, regardez, on a une vue. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, on va monter, puis je vous refilmerai un petit peu tout à l'heure. Salut tout le monde, 2008 validé, on fait les derniers pas avec Chouk pour être officiellement au sommet. Les vlogs, je suis dans son vlog, il est dans le mien. Vous allez vu en même temps. Aïe 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 aïe. Voilà, là-bas on est à 2980, ici on est à 2008, 360,
Ça y est, on est en haut. Je sais pas si ça se voit, mais on est en plein dans les nuages. Je suis en short. Tout va bien. Le coupe-vent, il fait son taf. En dessous, j'ai un t-shirt manche courte. T-shirt manche courte. Bon. Bah maintenant qu'on est là, on va se taper du sauciflard dans les nuages. Et après, on entame la descente. Ce serait pas mal qu'on arrive avant la nuit. Le coucher de soleil, il est là-bas, je pense qu'on va... Putain, on va tomber tard. Il est quelle heure, là? 19h. On va pas trop filmer, histoire de pas arriver... en morceau. Pas arriver avec la nuque qui nous tombe sur la tronche, parce que la descente, c'est... Là, je sais pas si ça se voit... Je pense que quand tu vois les falaises qu'il y a autour de nous, tu comprends que ça descend en raide, donc faut qu'on ait des appuis sûrs. Faut surtout pas tomber. Allez, à tout à l'heure dans la tente, les gars. Mokis. Il est 20h30. On est encore à 2006. C'est l'heure de la pause. Voilà, on est tranquillement posé. On contemple la vue, les gars. Regardez ça, c'est magnifique. Ah, vous voyez là, il n'y a plus de tension là. Travail, c'est une croix. Tac. Travail, croix, problème, croix, tout ce que tu veux, croix. Il n'y a plus rien. Croix. Il y a quelqu'un qui t'emboucane. Croix. Il n'y a plus de problème. Il y a un gars. Croix. Les problèmes, ils disparaissent là. On est à 2500 mètres d'altitude. On est tout seul. Il y a nous, il y a le ciel et la montagne. Voilà, le bruit il n'existe pas, c'est simple, si on parle pas, il y a zéro bruit ici. Attends, est-ce qu'ils entendent le... Attends. Non, attendez, écoutez le bruit qu'il n'y a pas. Eh-oh ! J'espère que vous avez entendu. What ? Bon les amis, on parle sérieusement. Là on est en train de se faire à bouffer, tranquillou. Je vais vous montrer un peu le setup du soir. Avec le flashback. On leur montre pas tout là. Là, on part sur eux, un sachet de pâte à la bolognaise tranquillement, on a de l'eau qui bout, on a du bris, les amis, on a du bris, on a un filtre pour avoir de l'eau en illimité. Pour avoir de l'eau en illimité, on a un lac juste là, devant nous, là, à 5 mètres devant nous, on a un lac, comme ça on a l'eau en illimité. On a du gaz en illimité. On a du gaz en illimité. J'ai fermé ma gueule. J'ai bouffé et je vais aller dormir et on se retrouvera demain. Salut les gars, dernier jour de trek aujourd'hui. J'ai extrêmement mal dormi, voire quasi pas du tout. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à fermer l'œil. J'ai tourné dans tous les sens toute la nuit, j'ai regardé les heures passer, c'était infernal. La mouche, il est encore dans son lit, en train de dormir. J'allais me faire un petit café, je suis défoncé, les gars. Voilà la vue au réveil. Oh. Notre petit camp. Oh. Il fait quand même assez froid ce matin. Je sais pas combien, mais... Doit être aux alentours de 5 degrés là. Ça va, je me suis équipé. J'ai encore la voix cassée. Putain. Hop là. On se retrouve au petit déj. On va se faire chauffer un petit peu de café. Après, je vais me faire un petit déjeuner. La mouche, il est parti en stage pour aller remplir le filtre à eau. Comme ça, on reprend un petit litre d'eau. Regardez si c'est pas beau la vue de la tente. Il y a la sienne. Son petit réchaud. On est vraiment bien, bien. Voilà. YNG direct. Bon, ce matin au petit déj,
nouilles au curry. Ça réchauffe parce qu'il fait un peu frais. La mouche là-bas, elle est en train de se faire un petit café. Regardez où se poser. Regardez où je suis posé. J'ai mon petit truc de nouilles là, ma petite casserole de nouilles tranquillement. Je suis au bord du lac. La vue est magnifique. Hier, on était sur lui là-haut dans les nuages. Après, on va aller voir un petit peu la vue en face du lac là-bas. Ça descend sur, sur le lagon, il y aura d'autres lacs en bas. On est surveillé. On est surveillé. Quelle chance de voir ça. Bon ben tout le monde. Voilà, le camp a été déplié. Il n'y a plus rien, on n'est jamais venu ici. Il y a le soleil qui s'abat sur le lac. L'eau elle est translucide, c'est magnifique. Petit lever de soleil, il est juste là. Allez, on monte et on se casse. On se retrouvera un peu plus tard. Bon, au revoir tout le monde. On est arrivé à la fin, là ça y est, dans une demi-heure on est posé. La ville elle est là, le parking il est juste là-bas, là, pile au bâton. Une demi-heure de descente et on a fini ce gentil bivouac. Du coup, on va s'arrêter ici pour nous, on va faire le tour par ici et puis voilà. Du coup les gars, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les autres vidéos. Posez votre petit like. Mettez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à tous les gars.